Là, il est différent. On est sûrement la top, Don. On est sûrement la top de Big. Big Tank Gamer qui mange des Cheetos. Big Gamer. Avec la souris Gamer et le LCD. Un joli boy. Alien War a beaucoup de défauts. Tu sais, c'est d'elle, là. Pas ça d'Alien War. Ils ont beaucoup de défauts parce que souvent, ils ont des bugs un peu cheap. On ne s'entend pas très vite, quoi. Okay, on va. Bon. Mike, on va. Ok, là on va être dans la zone. C'est ça qu'il faut. Yes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dell font des. Font des balls un peu cheap, mais ils ont le meilleur ratio coup-pièce. Je pense que je suis d'accord avec ça. Mais limite recherche. Limité recherche, je vais devoir être d'accord. Genre. Quand ils ont des rabais, ils ont genre des toits avec des 30-80 à 2500$. Tu sais, souvent, on voit ça avec une marque de luxe. Celui qui, dans le fond, c'est l'inverse, c'est cheap. Quand tu commences à mettre du gros hardware. Quand tu commences à mettre des. Surtout en derrière moderne, c'est les cartes graphiques, on en parle souvent. Mais on en parle jamais. Ouais. Mais ouais, c'est cher. Surtout avec le prix qu'ils ont ces temps-ci. 2000$ à 30-80, ça fait mal. Ouais. Ah, mais c'est ça, après, pour 250$ de plus, un build au complet. Là. C'est ça, genre, ou peut-être plus un 400-500, mais. Ça reste un build de Alienware. Alors que si tu veux te construire le même build, c'était 4000$. Absolument. C'est moins cher, acheter le build, sortir les pièces puis les mettre dans un autre build. Que tu fais toi. C'est insane. Ouais, littéralement, mon père, son SSD, il a pété avec Windows dessus. Genre. Après, c'est qu'acheter un ordi vraiment pas cher, genre 100$. C'est moins cher que d'acheter un Windows plus un SSD. Ah, ok, ouais, le racheter le Windows, mais tu sais, hey, un peu plus Windows, là. Ouais, non, je sais. J'ai dit, parce que le SSD tout seul aurait coûté moins cher, je pense. Ouais. Des fois, le problème avec ça aussi, c'est que ça encourage un petit peu là. Bon, là, on parle d'acheter des PC, de jeter des pièces, mais. Ça, c'est une gaspiller. Gaspiller, c'est mal. Surtout avec les aspects environnementaux de la question, là, ça, c'est grave mal les pièces aussi. C'est des pièces à c'est des ressources qui sont quand même limitées. Il y a vraiment des métaux. Les métaux rares, les gars rares. Il n'y en a pas une infinité. C'est le moment un peu conscient du sujet. Conscient alors qu'on n'a pas parlé une seule fois du match et qu'on n'a pas updaté les noms des joueurs. On n'est pas conscient de ce qui se passe dans les parties. Ok. Non, mais c'est Zelda, c'est. Si. C'est Challenger Charles. C'est Challenger Charles. Best Zelda Québec. C'est un peu notre. Notre new player wow, c'est un new player, tu vas pas passer Challenger Charles. C'est un rite de passage. C'est un rite de passage. Toi, il a décidé de jouer Fox, ok, il a quand même une beach super raisonnable. Je pense que j'ai joué contre online, contre Twig. C'est là, là. Challenger Charles, ben on le connaît. Il est technique, quand même. Ouais, pour ceux qui ne savent pas dans le chat, il est en train de jouer avec une Fox. Il est vraiment belle avant ça. Oh! Une couleur. Ça, c'est les commentaires. Ça, c'est les commentaires à faire sur ta box, Twig. Elle a coûté cher. Elle a coûté cher. T'as quoi, il se sent obligé de jouer au jeu même s'il n'aime pas ça. Exactement. Parce que c'est un investissement. Sans cost par dessus. Je l'ai entendu que je le déconcentre, j'ai une petite chance à cesser. Qui va peut-être avoir. Oh! Okay. Oh non, Zelda! Twix, s'il passait, il va m'en jouer toute sa vie. Aïe aïe aïe. Oh! Ok, mais. Charles, il a quand même des combos. Non, oh Charles, il sait ce qu'il fait. C'est juste que. Zelda, c'est. Il va pas aimer ça que je dis ça, mais c'est un petit peu limitant. Mm-hmm. Genre le frame d'eau grade, c'est pas le meilleur grade du jeu. C'est que ça a de la misère. Ouais. C'est ça. Bel essai. Bel effort. Bel essai. C'est une belle game à regarder. Malgré qu'on en a pas parlé, là. La fin était sick, genre on aurait pu avoir un bien scène regard de double backer, Fox Def. J'ai déjà fait une petite combo vidéo, allez voir ça sur le Facebook de Mail Québec. Ouais. Il y avait des trucs cool avec Zelda, ce qui est quand même un peu. Là tu choisis. Ouais. C'est quoi déjà la figure de style quand les deux choses sont pareilles? Ouais, c'est ça. Quand les deux choses sont pareilles. Un antonyme? Non, c'est pas ça. Ça n'est pas pour toi là. C'est quand elles sont pareilles, mais c'est pas une figure de style ça. C'est comme il y a un nom à la figure de style. Apposé. Je sais pas, même. Dualisme, je sais pas. J'ai tout perdu. Le français. Ouais. Ça va revenir. Ça va revenir. Ben, je sais pas si je refais pas les coups. Ou si je refais pas sur le sujet, mais. J'aime comment c'est normal, il y a aussi là-dessus, mais là, sur le stream, c'est genre. Avec les boy builds. C'est animé, là. Honnêtement, on a vraiment une vision de ça que.
esthétiquement incroyable. Très plaisant. Regardez. Oh, c'est vraiment juste la version la plus récente, c'est la version la plus récente a le skin de Zelda en mode animé. Mmh. Et je n'ai pas installé. Ah, c'est pas d'avoir. Fait qu'on a la vieille Zelda. T'aurais dû, sachant que Charles allait jouer. Oh my god, les wave shiny. Tellement ça pour super animé, là. Oh, absolument. On a un petit tournoi indépendant, mais t'as même pas besoin de demander l'autorisation, tu sais, pour le suivi. Ah ouais? J'avais déjà vu des cas comme ça où les gens, tu sais, mettons, il y a des streamers qui faisaient des stage customs, de gens qui faisaient ça, puis là, les gens c'était un peu plein parce que, tu sais, parfois c'est leur travail, puis là, c'est sur le stream, donc le streamer en profite, mais en même temps, mais ils ont, pas, ils ont jamais demandé à personne, tu sais. Ouais. C'est sûr qu'il faut demander toujours mieux, mais est-ce qu'il faut genre un peu de la publicité? Ça coûte. Ben, le nom de la personne n'est pas là, la personne n'a fait pas d'argent avec ça, tu sais. Ouais, mais c'est sûr. Peut-être que, ben tu sais, la publicité, c'est elle aussi, le nom de la personne. Le truc, c'est que le fait que tu donnes la publicité, ça donne pas l'autorisation, ouais. Non, absolument pas, absolument pas. Mais vu que ça coûte rien, genre. Je sais pas. Je me demande juste pourquoi quelqu'un chialerait, mais ils ont absolument le droit. Ben, c'est leur art. C'est comme si tu mettais. Partager, mettons. Imagine, tu réalises un film, là, tu le stream. C'est un peu la même chose, c'est que ça. Ouais, c'était hype. Puis on a Challenger Chat qui est complètement revenu, là. Mmh. Moi, on va faire le comment la game challenge, ok? C'est challenge pour qu'on parle quand on se concentre sur la game challenge. Ok, ok. Je suis down. D'habitude, je suis moins distrait que ça, là. Je suis avec le seul unique joueur ici, là. Je peux pas me contenir de parler. Je suis moins à une main, tu sais. Je prends le blanc, je tire les gens vers. Pour parler des bonnes choses. Parce que je sais pas parler du jeu. Ok. Ih, mauvais début. Ouais, ça aurait. Tu sais que c'est un petit peu triste, mais. Shane Duchal, connu comme quelqu'un qui a énormément de fortitude mentale. Mais c'est une fortune nécessaire. Absolument. Il joue Zelda, il faut qu'il. Faut pas qu'il boit le jeu comme les autres. Absolument. Dis-même, c'est ça. Il faut une différente perspective. Perspective qui l'a montré encore et encore plus jeune. Oh, c'est proche. Oh my god! Le spacing. En vrai, toi, qui a l'air de vraiment aimer ça, genre aller dans sa face pour pas le tirer. Je pense que c'est. Avec le grab vraiment lent de Zelda, c'est quand même une bonne stratégie, moi je trouve. En fait, tu peux littéralement quasiment dash in, shield, puis attaquer, tu sais. Fait que tu peux pas réagir au grand. Je crois que c'est un gros personnage d'invalidation. Oui. Absolument. T'empêches de jouer dans une manière qui est considérée sick. Ah non, mais c'est des chaînes, gros chalois. Mm. Ouh! Ah! T'as un genre, il est pas down. Il est un peu down. Il est down, mais il a encore la capacité de se relever. La stock. C'est son la stock du tournoi. Du tournoi, on est en losers? On est en losers, là. Oui, oui, oui. Moi, j'ai vraiment des games à jouer après ça, franchement. Je parle du jeu, mais. Le tio va pas être content si je joue pas mes games. On a du temps. L'organisateur, il me suit à l'oreille que je peux passer une heure sur le stream, qu'il n'y a pas de problème. C'est vrai. Je pense que je gagne contre le jeu. Lapsus, j'ai vu contre le gagnant de ça. Il me semble. Mais moi, c'est parce qu'il y a un losers? Non, j'ai un bail en losers. T'as un bail en losers? Ouais. C'est qui le quatrième joueur qui a gagné son premier round? Oh, wow! Il y en a eu 4? Nice! Non, c'est qu'il y avait 3. On est 7? On a eu ça un round robin. Ouais, j'ai pensé que c'est genre l'ambiguïté entre.